d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Ou tu fais le mort ou tu rejoins les vivants. D'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Faites de la place, il nous faut aller de l'avant. Avec les pépounas, avec les amboucans, avec les... Les salariés de Veolia Eau, des sites d'Avignon, Tarascon, Sainte-Marie, Sceaux, Morières et Jonquière, sont en grève depuis le 9 mars à l'appel de leur syndicat CGT et FO. Comme cela se produit trop souvent, la direction n'a pas jugé utile de négocier réellement dans le cadre du préavis de grève. Malgré les discussions des 3 et 7 mars, aucune avancée sensible n'ont été proposées par la direction, contraignant, de fait, les salariés à entrer dans le conflit. Il faut un tube maintenant, c'est marqué dans le contrat, ma signa, je perds de l'argent. J'ai fait tout ce que je pouvais, j'ai soigné des tas de gens, j'ai acheté les radios, les télés, les journaux et tout le temps. J'ai toujours pas de feedback, j'ai toujours pas de rendement. Faites un truc commercial, les 100% dans le banc, je ne vous le dirai plus, bougez-vous le cul, les enfants. Et pourtant, les représentants du personnel n'ont pas ménagé leur peine pour avertir la direction. Qu'il s'agisse des salaires, des conditions de travail, des formations qualifiantes et rémunératrices pour le personnel, des contraintes liées aux astreintes, du manque d'effectifs et des embauches nécessaires, et aujourd'hui de la mise en place d'un procédé de géolocalisation, véritable flicage des salariés dans leur travail. Pour la mettre au fond, un jeune qui rentre dans l'entreprise, tout va toucher le SMIC, bah, parfois moins, parce qu'il peut avoir des compléments qui lui permettent d'accéder au SMIC. Un salarié qui a 15 ans d'ancienneté peut arriver péniblement avec une semaine d'astreinte dans son mois à 1500 euros après 15 ans de boîte ou 20 ans de boîte. Donc ça, c'est trop faible pour une entreprise qui est très bien cotée en bourse. Trop, c'est trop. Aujourd'hui, la marmite explose. Au moins autant que les profits de Veolia. Plus préoccupé de verser des dividendes aux actionnaires que de répondre aux besoins des usagers de l'eau ou des revendications de son personnel. Donc les avancées que propose la direction après les négociations de cet après-midi ne permettent pas de débloquer la situation, et donc en termes d'avancée sur les salaires, ils proposent absolument rien, donc seulement des révisions de situation individuelles, ils prévoient rien de collectif, et donc les gars, c'est pas du tout ça qu'ils veulent. Donc, aujourd'hui, la direction bloque complètement sur ça en renvoyant à la direction nationale ces problématiques-là. Lombard ne veut rien savoir là-dessus. Il dit que ça se traitera au niveau national avec la NAO. Donc on lui a bien fait entendre que vous étiez là, que vous étiez très 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 motivé. Ouais, c'est à mon avis, il a senti. On n'a pas eu besoin de lui faire entendre. Voilà. Donc nous, on lui a dit que la principale occupation des gens aujourd'hui, c'était le pognon. Il a lâché sur quelques points. Ce qu'on vous a dit hier, bon, les formations, mais c'est pas trop. Le paiement de la prime de 80 euros aux gens de Tarascon. Sur la question des embauches, il reste campé sur ses positions, toujours trois embauches, les trois embauches de remplacement des salariés. Sur eux, ce qu'ils disent, les motifs de surcroît, c'est ni plus ni moins que les fosses qui étaient remplacées. Et donc ils n'embaucheront pas plus.
Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on s'oppose entre nous, les gars. Voilà. Après, on peut l'empêcher de rentrer si on veut. Même si elle n'a pas compris que son intérêt, c'était d'être ici. Non, mais attends. On est salariés ensemble. Il ne faut pas qu'on s'oppose. Voilà. Vous êtes bien ici? Ouais. On y reste? Face à l'intransigeance de la direction, les salariés décidaient de la poursuite du mouvement. L'Union départementale CGT de Vaucluse soutient les salariés de Veolia en lutte et appelle la population à exprimer son mécontentement auprès de la direction et à soutenir l'action de grève des agents. Écoutez, il y a trop d'attentes, il faut rester à l'intérieur, foutre le bordel. Ça va être cassé, mais foutre le bordel, il faut rester à l'intérieur. Et il y a même plus de bruit, hein. Que du bruit, rien que du bruit. L'Union départementale CGT de Vaucluse met en garde la direction de Veolia contre d'éventuelles tentatives de criminalisation de l'action syndicale. Les voyous ne sont pas à chercher dans les rangs des syndicalistes, mais plutôt dans ceux qui font le choix d'une minorité d'actionnaires contre l'intérêt général des usagers et des personnels. Pas de petit profit, non, pas de petit combat. Si tu hésites, les cons n'hésiteront pas. C'est un conseil pour les petits et les grands. C'est une idée qu'on a mûrie pendant longtemps. En fin de journée, tandis que les grévistes se préparaient à passer une nouvelle nuit dans l'entreprise, c'est sous escorte policière et sous les huées des salariés en lutte que la direction quittait le siège de l'entreprise. D'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Faites de la place, il nous faut aller de l'avant. Non, d'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Ou tu fais le mort ou tu rejoins les vivants. D'arrangement, il n'y a pas d'arrangement. Faites de la place, il nous faut aller de l'avant. Non, d'arrangement.